nous sommes au Pôle international du cheval de Longines-Deauville et il s'agit de la première édition de Hippolia Meetup, le premier salon professionnel entre les professionnels de la filière équine et les entreprises industrielles et de services de cette filière. La grande originalité, c'est que les exposants puissent faire des démonstrations en direct. Donc on est vraiment dans une logique de proximité, de rencontre, d'échange. Harald, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez constaté dans la bouche du cheval avant de mettre les morts ? Alors, en fait, il y avait un reste de racine de dents de loup avec une hyper-innervation et vascularisation au niveau des barres maxillaires. Donc le cheval avait une grosse sensibilité. Donc il était avec des défenses, des coups de tête réguliers, etc. Il ne savait pas comment se positionner pour éviter cette douleur. Donc on a choisi de mettre un flex plus pour que ça sollicite plus la langue et les tissus mous et les barres mandibulaires pour amoindrir la douleur qui existe au niveau des barres maxillaires. Et on a vu avec l'essai du Verdun avec le Strong Flex Plus que le cheval était plus tendu sur la main, était plus à l'écoute et était plus dans une attitude et une biomécanique meilleure. Patrice Delano, donc, est-ce que vous voulez nous faire un retour sur cet essai déjà? Sur le premier essai, on est d'accord avec Claude, il y a quand même moins de coups de tête. D'accord. Moins de coups de tête. Voilà, tout à fait. Et bon, là, il manque un petit peu de contrôle parce que le mort, il est vraiment simple. D'accord. Je pense que pour travailler sur le plat, c'est bien. Pour sauter, elle manque un petit peu de contrôle parce d'accord. que la ponette a quand même un petit peu de bouche, hein, une bouche délicate. Ouais. Elle emmène un petit peu. Donc, ça va être intéressant de voir avec le pélame si on retrouve un petit peu de contrôle, en tout cas de confort, c'est sûr. Ouais. Dès la première séance, on a moins de coups de tête, on a une ponette qui est plus stable sur le mort. Moins nerveux sur le plan envers la main du cavalier. Et on a l'impression que ça vient beaucoup mieux que tout à l'heure. Elle était beaucoup mieux dans le contrôle et elle se défendait un peu moins. Bon. Patrice, vous confirmez ? Oui, parce que bon, là, évidemment, elle est... on ne peut pas dire qu'elle se défendait. Au travail, moi, j'ai trouvé une ponette plus stable, moins nerveuse dans sa bouche. Je pense que c'est un très bon essai conclu. Parfait. Merci. Bravo.